Monsieur, je suis Djibi Diabaté, artiste, musicien, compositeur, arrangeur, balafoniste. Aujourd'hui, je suis venu pour vous présenter le balafon. Le balafon, dans ma langue natale, on appelle ça le balané en bambara. Le balafon vient de où? Ça vient de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, telle que Mali, Burkina, Gambie, Côte d'Ivoire, aussi Ghana. Afrique centrale aussi, il y en a. Cameroun aussi, il y en a. Chez les Pygmées. Vous allez trouver aussi en Afrique du Sud aussi, il y en a le balafon. Au Congo, au Brazza, Kinshasa, il y a balafon. Voilà, donc c'est un instrument qui est à la base du bois. Et c'est quel genre de bois qu'on prend pour fabriquer le balafon? C'est très simple, c'est le bois de veine. Et le bois de veine, ça se trouve où? Ça se trouve en Afrique de l'Ouest. Particulièrement au Sénégal, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup au Sénégal. Et en Côte d'Ivoire aussi, il y en a. Tu vas les voir aussi au Mali, tu vas les voir aussi partout dans en Afrique de l'Ouest. Alors, le balafon, c'est à la base du bois de veine. Et aussi, il y a les calebasses aussi, qui est très très important. Parce que d'ailleurs, c'est ça qui fait que le balafon sonne. C'est le microphone du balafon, voilà. Comme vous voyez, les calebasses sont en bas. Vous voyez? C'est les calebasses qui sont en bas. Voilà. Et c'est grâce à ces calebasses que vous voyez, le balafon, ça sonne. Il faut déjà accorder ces calebasses-là. D'abord, il faut les mettre d'abord dans l'eau. Quand tu les mets dans l'eau, tu creuses la terre et après tu mets le calebasse dans la terre. Ça va rester là-bas pendant 3 jours. Et même quand tu creuses la terre, là, tu mets de l'eau dedans. Tu mets de l'eau dedans avec le calebasse tout et tu fermes. Ça reste là-bas pendant 3 jours. Alors, après, tu fais sortir d'abord les calebasses et tu laisses ça au soleil. Ça va se chasser pendant 3 jours encore. Et après, tu reviens sur les bois. Tu vas partir d'abord et tu coupes d'abord les bois dans la forêt. Tu pars très tard la nuit. Tu coupes les bois et quand tu finis de couper les bois, c'est les morceaux de bois qu'il faut couper. Et après, maintenant, tu envoies ça à l'atelier. Et tu commences à tailler. Et quand tu tailles ça, quand tu finis de tailler ça, et après maintenant, tu commences à essayer d'ajuster les sons. Tu vois, tu commences d'abord sur les côtés graves et après tu termines sur les côtés aigus. Vous voyez? Donc ça, c'est ça. Il faut déjà avoir déjà la distance, tu vois, des bois. Si tu connais déjà la distance des bois, tu sais que ici par exemple c'est le mi et tu as déjà le mi, tu accordes maintenant le bois. Tu vois, pour accorder le bois, comme vous voyez, vous creusez d'abord le trou. Le trou, c'est plus gros. Quand tu creuses, déjà, ça sonne un peu gros. Quand tu veux que ça soit petit, plus petit, tu creuses en bas et ça devient plus petit. Ça te donne le son plus petit. You know? Alors, il y a le pot aussi pour attacher le balafon. Et le pot pour attacher le balafon, ce n'est pas n'importe quel pot, c'est la peau de vache. C'est la peau de vache que vous prenez pour attacher les cadres. Vous voyez ici, c'est les cadres, c'est les pots qui sont là, vous voyez. Vous prenez cette peau-là et vous attachez les cadres. C'est très très important parce que sinon, et ça va toujours bouger. Parce que on pouvait l'attacher aussi avec les cordes, mais les cordes, ce n'est pas fait pour ça. Les cordes sont faites spécialement pour les calebasses. Voilà, c'est là, c'est les pots qu'on prend pour attacher le balafon. Bon, aujourd'hui, ça c'est un balafon diatonique. Ça c'est un balafon diatonique. Mais avant, le balafon, si vous me permettez, dans l'histoire de Soumaoro Kanté et notre ancien
grand-père, 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 quand ils étaient partis en forêt, ils ont trouvé Balafon, c'était 8 lames. Ils ont trouvé Balafon à la forêt. Le Balafon, ce n'est pas quelque chose qui a été fabriqué à la main. C'était fabriqué par les génies. Voilà, c'est les génies qui ont fait envoyer ce balafon. Lui, quand il est parti sur Maroc, quand il comme c'est quelqu'un qui vraiment qui a des qui voit de loin, hein, c'est des grands sorciers, tu vois. Donc il a trouvé le balafon automatiquement. C'était à au forêt. Le balafon était venu 8 lames. C'était là pour le, c'était comme ça. C'était 8 lames, juste. Et alors, avec le temps. Comme les griots, Koyaté, Diabaté, ils ont pris le balafon dans la main de Soumaoro Kanté. Et Soumaoro Kanté même, il ne voulait même pas donner le balafon. Il ne voulait pas donner le balafon. Il a dit à son gardien, qu'on appelle ça, qu'on appelle Sissoko. C'est un oiseau qu'on appelle Sissoko. Voilà, je veux pas trop rentrer dans les trucs. Non, il a dit à le mec pour qu'il n'ait qu'à garder, pour qu'il puisse garder le balafon. Lui va sortir. Mais s'il vient, il faut qu'il vienne, il revient pour trouver le balafon. Et le griot, il y a un griot, Koyaté, qui est venu automatiquement. Il a vu le balafon. Il a essayé, il a expliqué. Il a dit que non, il faut que je prenne cet instrument-là. Le gardien de Soumaoro Kanté a dit que non. Ce n'est pas permis, on ne peut pas donner ce balafon parce que mon chef m'a dit que de garder ce balafon. Alors, donc, du coup, le griot, comme vous connaissez, hein, les griots, ils ont tellement les langues, ils parlent tellement. Il a essayé de parler du monsieur, il a parlé les ancêtres du monsieur, il a parlé son papa, son grand-père. Voilà, le gardien était tellement content, il a donné le balafon à lui. À le griot, Kouyaté. Bala Kouyaté. Alors donc, Bala Kouyaté, quand il a pris le balafon, il a commencé à jouer le balafon. Pas Soumaoro Kanté est sorti. Il est sorti, quand il est sorti, le premier morceau qu'il a joué automatiquement, Soumaoro Kanté ne pouvait plus. Hein, il ne pouvait plus vraiment il pouvait plus se contrôler tout de suite. Il a dit, bon, maintenant je vous donne le balafon, vous pouvez jouer le balafon. Alors qu'avant qu'on va donner le balafon, le gardien là, avant que le gardien va donner le balafon à Bala Kouyaté, il a dit à Bala Kouyaté, écoute, je vais vous donner le balafon, mais je ne veux pas que vous mangez tout ce qui est oiseau. Les oiseaux blancs que vous voyez, qui a tu vois, son cou est blanc, les noix blancs là, il a dit que vous n'allez pas manger ça. C'est eux qui sont les Fakoli. C'est eux qu'on appelle les Fakoli, Fakoli Kumba, Fakoli Daba, Djam Djam Koli. C'est eux. Et c'est les oiseaux que les griots, normalement, on ne mange pas ça. Donc, c'est à cause de ça que le gardien l'a donné le balafon. Tu vois. Donc, aujourd'hui, ça, c'était juste un petit résumé de l'histoire du balafon. Et vraiment, c'est un instrument qui n'est jamais fabriqué. Vraiment. C'est les génies qui ont fait venir, encore j'insiste, c'est les génies qui ont fait venir le balafon. Aujourd'hui, on vous parle de Balafon Mali, Balafon Guinée, Balafon Côte d'Ivoire, Balafon Équateur, Balafon. Non. Balafon reste toujours Balafon. Maintenant, avec les avec le déplacement des griots qui sont partis, il y a deux qui sont partis au Mali, il y a deux qui sont partis au Burkina, il y a deux qui sont partis en Guinée, il y a d'autres qui sont partis au Mali, il y a d'autres qui sont au Sénégal. En Afrique du Sud, maintenant, les langues commencent à changer. Donc, le fait que les langues commencent à changer, c'est normal. Le balafon aussi, il change de forme. C'est pour ça aujourd'hui, on voit les balafons de Guinée, on voit les balafons de Burkina et tout. Alors que, normalement, en tant que musicien, tu peux bien prendre tous ces balafons-là et tu joues. Le même culture de toutes ces ethnies-là, tu joues le même culture dans un seul balafon. Tu n'es pas obligé de prendre un balafon guinéen pour jouer la culture guinéenne. Tu n'es pas obligé de prendre un balafon Mali ou Burkina ou Côte d'Ivoire pour jouer un balafon truc. Mais normalement, si tu es, en tant que musicien, je dis, hein, tu es vraiment doué, normalement, tu dois arriver à jouer toutes ces ethnies-là dans un seul balafon. Parce qu'il n'y a pas deux balafons, il n'y a pas trois balafons, il n'y a pas quatre balafons. Le balafon reste toujours balafon.
Pourquoi les gens, ils ont essayé de donner la différence? La différence en eux que, en Guinée, en général, ils utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup les diatoniques. Au Mali, ils étudient beaucoup les pentatoniques. Comme aussi le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire aussi, ils utilisent le diatonique, mais aussi le pentatonique. Vous voyez? Alors que je reste ici, je reste dans ce balafon. Dans ce balafon, par exemple, je joue le morceau de. Je peux jouer un morceau de Burkina Faso, hein, ici, dans le même balafon, alors que j'ai un balafon diatonique. Alors, Burkina Faso, le Burkina Faso, c'est quoi? C'est le pentatonique. Tu vois? J'ai un balafon diatonique, mais je joue le pentatonique là-dedans. Le rythme du Burkina Faso. Et je joue en même temps, il peut jouer aussi les sénifaux qui sont en Côte d'Ivoire, les rythmes ici. Vous voyez? Bon, maintenant, vraiment, comme je vous ai dit, hein, avec l'évolution, le balafon a tellement développé maintenant. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai présenté le balafon, c'est quel bois de balafon, et le calebas, les peaux et tout. Je vous ai montré ça, les cordes aussi, je vous ai montré. Et je ne sais pas si vous comprenez bien, qu'est-ce qui fait sonner le balafon? Il y a un bois, le baguette, on appelle ça le baguette. Et le baguette que vous voyez là, c'est une baguette de bambou. C'est une baguette, les petits bambous là, qui voilà. Il y en a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi au Sénégal, vous voyez ça. Et aussi, ça c'est le caoutchouc. Et cette caoutchouc là, en fait, il y a un arbre qui est en Côte d'Ivoire, qu'on appelle ça le EVA. C'est une nappe qui pleut beaucoup, tu vois. C'est les enceintes qu'on prend. Et quand on tire ça, on fait sortir ça, on met ça dans le sol, au soleil. Et comme ça, après, quand ça chasse, on prend maintenant pour attacher le bois. Et donc, c'est ça qui fait sonner le balafon comme ça. C'est très important. Déjà, pour jouer déjà le balafon, déjà, comment attraper les baguettes? C'est très important, déjà, vous mettez les deux baguettes comme ça. Vous voyez? Et après, tu mets ta main ici, à l'intérieur. Vous voyez? À l'intérieur. Et tu commences maintenant avec le premier main à droite. Tu fais 2-2. 2-2. 2-2. Quand c'est bon, tu es sûr que le 2-2 c'est très bon, tu ajoutes un autre. Tu vois? 2-2-2-2. Tu changes juste la note. Mais c'est le même 2-2. Après, la main gauche vient. Par contre, la main gauche fait seulement 1. Au lieu de 2. Tu changes de note, après tu fais. Vous voyez, c'est le même 2-2-2-2 qui vient. C'est juste la note qui change. Tu vois? Maintenant, quand tu maîtrises, pam tam pam pam. Tam, 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 tam. C'est très clair, tu maîtrises ça. Tu essayes encore, tu ajoutes une autre note là-dedans. Tu reviens encore. Là, tu doubles. 2-2-2-2-2-2-2-2. Continue.
maîtrise, il n'y a pas de problème. Je vais augmenter une autre note. Je maîtrise, j'augmente une autre note. Avec la main gauche. J'augmente encore. Directement parce que tous les instruments qu'on te donne pour jouer, quand tu es vraiment inspiré, tout de suite tu commences à toi-même, tu commences à y a des, tu vois, on dirait qu'il y a quelqu'un qui te dit non, il faut augmenter, il faut, tu vois, ça vient naturellement dans toi. Donc c'est pour cela que je suis venu en temps directement haut, tu vois. Mais sinon le balafon en général, on accorde ça normalement. Ce balafon, c'est en do majeur. Ça, elle, c'est en do majeur. Et le balafon général, c'est en do majeur aussi. On peut le faire aussi en si bémol majeur. Il peut partir aussi en sol majeur, en fa majeur aussi. Mais avec un seul balafon, quand tu accordes, c'est, voilà la différence entre un balafon chromatique et le diatonique. Parce que quand tu accordes ce balafon-là en do majeur, toutes les gens qui vont t'appeler pour les studios ou n'importe où, tu es obligé de jouer seulement un morceau. Tout ce qui est morceau en do majeur, tu es obligé de le jouer. Ou soit, les gens c'est accord sur toi, ils seront obligés de jouer tous les morceaux en do majeur, et puis ça va être monotone, ça va être, voilà, ça c'est pas bien. Donc, si tu accordes aussi en sol majeur, c'est la même chose. Voilà, je viens de vous présenter le balafon diatonique. Il y a aussi le balafon pentatonique. Pourquoi ? Vous voyez, le balafon que j'ai, c'est accordé en do majeur. Il ne peut pas jouer toutes les notes, parce que c'est un balafon traditionnel. Alors, si vous voyez qu'on ne peut pas jouer toutes les notes, c'est parce qu'il n'y a pas assez de notes, parce qu'il y a seulement, des bémols, il n'y a que des bémols. On ne peut pas partir jouer des autres notes. C'est pour cela qu'on a tout fait pour trouver des balafons pentatoniques, pour pouvoir compléter, pour qu'on puisse jouer toutes les notes dans le balafon, qu'on appelle le balafon chromatique. Alors, ça demande beaucoup de partir, surtout à l'école. Parce que tu ne peux pas te lever toujours un bonjour. C'est vrai, on est des griots, on vient d'une famille griot. Une famille musique, on fait que la musique, c'est vrai. Mais ça, c'est la pratique. Mais c'est bien aussi de partir à l'école, d'apprendre le solfège, d'apprendre très bien les notes, et pour pouvoir jouer le balafon chromatique. C'est très important. Pourquoi ? Parce que tu as déjà le sang du balafon traditionnel. Il est là, il est déjà dans ton sang. Ça, tu connais. Tu connais, c'est pratique, c'est pas un problème. Demain, on te réveille là. Même si tu dors, tu vas le jouer, c'est trop facile. Mais le balafon chromatique, ça demande beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique. Parce qu'il y a des notes, des jazz en même temps, et les bémols qui sont là.
Et aussi, ça te permet aussi de jouer dans toutes les formes de la musique que tu veux. Voilà, donc j'ai rajouté le balafon pentatonique, que vous voyez. Voilà un balafon pentatonique. Et ce balafon-là, pourquoi je l'ai rajouté à le diatonique que j'ai? C'est pour avoir toutes les notes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il est accordé en fa dièse. C'est-à-dire que tout est dièse. Tu as le fa dièse, tu as le sol dièse, tu as le la dièse, tu as le do dièse, tu as le ré dièse. Vous voyez? Tu vois? Donc, quand je mets les deux ensemble, ça me fait le chromatique. Pour jouer le chromatique, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut partir beaucoup à l'école. Par exemple, j'ai un morceau, je vais jouer. Bon, j'ai dit, bon, je vais jouer en fa majeur. En fa majeur, il y a quoi? Il y a un si bémol. Qu'est-ce que je dois faire? Je joue les morceaux, par exemple. Je suis obligé. Je fais pam 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 pam. Automatiquement, je viens sur le si bémol. Je suis en fa majeur. Parce qu'il y a un. Imagine-toi si j'étais par exemple avec le balafon traditionnel do majeur. Ça serait difficile. Par exemple, j'ai fait. Ça sonne mal. Ça passe pas. Donc, tu vois, donc voilà la différence. C'est pour ça que c'est très important. Parce que tu peux te retrouver avec des big bands ou des groupes qui jouent vraiment que les 7e, 13e, 14e, tu vois, do 13e, do 4, do 7e, tu vois. Quand tu n'as pas tout cet accord-là, c'est pas possible. Ou il sera obligé, comme je t'ai dit tout à l'heure, il sera obligé de revenir sur toi, de jouer, mais là, c'est pas bien, quoi. Vraiment, ça serait trop monotone, encore une fois. Donc, je conseille à tous mes amis balafonistes, hein, de vraiment jouer le balafon comme il faut. C'est bien, c'est très, très bien, mais aussi de partir à l'école, d'apprendre aussi le solfège. C'est très important. Je vous conseille, les amis balafonistes, à tous ceux qui veulent apprendre le balafon, et de partir aussi à l'école, à l'école de musique surtout, d'apprendre le solfège. Et ça va vous permettre de jouer aussi le chromatique, tu vois, pour ne pas que vous allez être toujours limité sur le diatonique. Mais aussi, ça serait très bien pour vous. Et je vous le conseille encore de faire ça serait très bien. Voilà, c'était juste une petite démonstration du balafon chromatique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc je remercie beaucoup le Goethe Institute, hein, qui a initié ce projet et ce masterclass. Et moi, particulièrement, ça m'a fait un grand plaisir de participer à ces projets, à ces classes. Et j'espère que ça va goûter. Et je vous remercie. Et merci beaucoup encore une fois, le Goethe Institut.